Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de l'émission Les développeurs s'interrogent. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est un épisode spécial, mais j'avoue que j'ai merdé les premières minutes parce que au moment où j'enregistrais cet épisode, c'était un live, c'était une interview sur Facebook. Donc, j'ai tellement foiré, c'est-à-dire j'ai mélangé tout, micro, audio, voilà, j'ai vraiment surbooké mon ordinateur, je pensais qu'il pouvait gérer tout ça alors que c'était vraiment pas le cas. Donc, j'ai perdu pas mal de minutes, mais j'ai pu quand même enregistrer juste après. Donc, je vais rapidement vous présenter le mec, celui qui vient, il est vraiment spécial. Voilà, malheureusement, vous ne pourrez pas l'écouter se présenter, voilà pourquoi je vais le faire. Et puis ensuite, je vais disparaître et vous laisser déguster cette discussion qui tourne vraiment autour du freelancing de façon concrète et pratique. Comment démarrer en tant que freelancer? Il a plus pris son cas vu que c'est un développeur mobile, mais ça s'applique également à tous les développeurs web. Je vous présente donc Florian, d'accord? Certains ne le connaissent pas, mais si je vous dis Captain Web, vous allez dire oui, ça me dit quelque chose, ok? Donc c'est le surnom qu'il a sur Internet. Il est développeur mobile depuis plus de 2 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, il va donner son expérience, il va, grâce à son expérience, donner des conseils sur tout ce qui est freelance. Voilà, donc, quand il s'est présenté, il a parlé de comment il est arrivé à développeur mobile iOS et Android. Il est sur les deux plateformes grâce à la techno qui s'appelle Flutter. Voilà, donc, il expliquait un peu les bienfaits de Flutter et c'est là que j'ai commencé vraiment, que l'enregistrement a commencé à prendre. Ok, donc je vous laisse déguster ça. Maintenant, vous m'avez assez vu. Abonnez-vous à la chaîne. Ok, abonnez-vous à la chaîne parce que vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas jeter seulement des gris-gris ou faire des choses occultes. Ok, la sorcellerie, c'est quand on vous dit de vous abonner et puis vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. Hein, voici la vidéo, vous la regardez. Si vous êtes sur votre mobile, scrollez. Voilà, voici le bouton abonner, le bouton de la cloche, cliquez là-dessus. Si vous êtes sur votre ordinateur, c'est rapide, 2 clics. Cliquez également sur le bouton j'aime pour me donner assez de force pour que j'aille encore chercher des gens spéciaux comme Florian, comme Captain Web pour vous, les gars. C'est ce que je voulais vous dire et voilà, je vous laisse déguster maintenant. C'est bon. Coder du coup des applications pour les deux plateformes de manière assez simplifiée avec un concept de widget, donc imbriqués les uns dans les autres, qui rend du coup le développement cross-plateforme simple, rapide. Enfin, ça reste du développement n'est jamais simple, mais ça simplifie quand même beaucoup et surtout ça fait gagner du temps. Et derrière du temps, bah, c'est de l'argent pour les clients, donc c'est plus compétitif, on va dire. Exactement, exactement. Bon. Moi, j'avoue que je ne suis pas trop au développement d'applications mobiles. Ouais. Je suis plus web. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est bon pour un débutant. Qu'est-ce que tu conseilles en fait? Pour quelqu'un qui veut démarrer dans le code, tu peux faire. Tu conseilles quoi? Des plateformes d'applications. Le développement mobile ou le développement web pour démarrer? Bah en fait, ça dépend ce que tu aimes faire déjà de base. Si tu préfères faire des sites ou des applis. Moi, je sais que je me suis d'abord tourné vers le web et je pense que la plupart des gens se tournent d'abord vers le web. D'accord. Le truc, c'est que à tout petit niveau, alors moi, je démarrais de rien. À la base, je suis pas du tout issu d'une école informatique. Et en fait, à tout petit niveau, quand tu commences dans le web, bah, tu commences par faire des trucs très simples, des vitrines, des choses comme ça. Et le truc qui se passe, c'est que bah, je suis très vite arrivé sur le terrain et je me suis rendu compte bah, que les entreprises pour les vitrines, par exemple, bah, elles avaient pas trop de budget. Et souvent, ils faisaient avec un CMS. Donc, un CMS, pour faire simple, c'est un outil qui permet de créer des sites web de manière simplifiée, d'accord, sans trop coder, quoi. D'accord. Et du coup, avec cette concurrence un petit peu, pas déloyale, tu vois, mais les graphistes que j'avais en face de moi pouvaient aussi faire des sites. Et c'est ça, ça me gênait un peu. Okay. Alors là, je parle de sites très simplifiés. Hein. Ok. Et puis, du coup, moi, j'avais toujours été attiré par le mobile aussi. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais laisser de côté la partie web et je vais me lancer dans le mobile, même si je sais que dans la partie web, c'est hyper intéressant. C'est après, en fait, quand tu grandis, tu commences à travailler pour des boîtes ou des gros projets, je pense.
Ok. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est, c'est normal hein, parce que c'est vrai au niveau du web, il y a une certaine sorte d'anarchie. N'importe qui aujourd'hui peut se qualifier développeur d'application web au moment où il utilise WordPress. Alors que c'est. Ouais, voilà, exactement. Alors que c'est pas du tout ça. Donc à la base, iOS, Android, tu penses que les entreprises sont plus les deux ou il y a certaines qui veulent que du natif Android? Bah, au début, en fait, moi quand je faisais que du natif, bah, je trouvais ça très bloquant de faire qu'une plateforme. Parce que c'est simple, si tu fais qu'une plateforme, tu vas vraiment te limiter au niveau des clients. Et, ouais. Et les trois quarts des clients, ils veulent les deux plateformes. Ouais. Alors que c'est plus difficile d'apprendre, par exemple, Java ou Kotlin Swift. Pour Android. Et puis après, Swift, à part, ça fait trop de langage à la fois. Alors bah, c'est beaucoup, ouais, en fait. Ouais, c'est clair. C'est mieux. Donc, au final, pourquoi, quel a été le plus gros challenge, en fait, pour pouvoir prendre en main le développement d'applications? Bah, en fait, pour moi, la plus grosse difficulté dans le développement d'applications, alors déjà en freelance, la grosse difficulté principale, c'est trouver des clients. Mais une fois que c'est parti, ça va. Une fois que la machine est lancée, il y a le réseau, il y a les plateformes, ça passe. Mais au niveau du développement, pour moi, la chose la plus compliquée, c'est vraiment la phase de test. Si tu veux, c'est vraiment la phase où donc toi, tu estimes que tu as terminé ton travail, tu le soumets au client, et puis tu te rends compte que non, ça va pas. Là, il veut changer telle chose. Là, il y a un bug à corriger. Et en fait, c'est une phase qui est très compliquée parce que toi, mentalement, et puis au niveau de ton chiffrage, tu te dis, c'est bon, c'est terminé, et je vais pouvoir passer à autre chose. Ouais. Alors que non, en fait, c'est jamais terminé à ce moment-là. C'est terminé une fois qu'on a validé que tout fonctionne bien. Bon, apparemment, être freelance, j'ai l'impression qu'il y a plus de challenges, en fait, à ce niveau par rapport à quelqu'un qui se lance... en tant que salarié, qu'est-ce que tu en dis? Bah en fait le truc, moi j'ai pas été salarié, enfin j'ai été salarié qu'une semaine, donc je pourrais pas le dire. J'ai déjà été salarié mais dans un autre métier, mais le développement je l'ai toujours fait en freelance, soit chez moi, soit sur site. J'aurais du mal vraiment à me prononcer dessus. La seule différence en freelance, par contre, c'est qu'il y a tout un aspect commercial qui n'y a pas quand tu es salarié. Okay. Cet aspect commercial qui veut que bah, tu saches te vendre, que tu saches vendre tes idées, tes projets, etc. Et derrière, en fait, toute la responsabilité repose sur toi. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, tu peux pas te retourner vers un collègue, vers un chef, vers... C'est toi en fait, et t'es obligé d'aller au bout, et du coup tu engages ta responsabilité en termes de résultats, et le client peut être satisfait, donc là il n'y a pas de problème, il est content, mais s'il n'est pas satisfait, du coup il peut avoir des recours contre toi si tu t'es pas bien protégé. Ok, je comprends. Wow. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans le développement d'applications mobiles, quelles sont les étapes qu'il pourrait suivre d'abord? Alors, dans tous les cas, qu'on soit autodidacte comme moi ou quelqu'un plus classique avec un parcours en école, pour moi, il n'y a pas de chose meilleure que l'autre. Il faut déjà commencer par suivre une formation, même en autodidacte au final, parce qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Je dirais que la première étape, c'est d'aller trouver un formateur qui soit bon, donc sur Internet, ou voilà, et qui vraiment explique bien les concepts, et que tu commences à la limite par peut-être un ou deux projets perso. Par contre, je recommande vraiment de rapidement mettre les mains dans le cambouis. Alors moi par contre, je suis quelqu'un qui prend assez des risques. Okay. C'est-à-dire que je vais faire des choses souvent avant de les maîtriser. Ok. Est-ce que cette partie-là, c'est assez intéressant? Alors ça, on appelle ça le « fake it till you make it ».« Till you make it », ok. En gros, voilà. c'est un concept en fait qui est très compliqué à gérer parce qu'en gros ça veut dire fake it, donc je fais entre guillemets semblant de savoir le faire avant de le faire. Alors pour moi il faut quand même une base solide, mais il y a une part d'inconnu, et donc du coup tu vas faire des projets et tu sauras qu'il y a telle partie du code que tu ne maîtrises pas encore, mais comme tu le fais pour un client par exemple,
Bon, bien sûr, derrière, tu vas avoir des prix plus faibles vu que tu démarres, voire gratuit. Hein. Oui. Quand tu démarres, des fois, il faut te laisser le temps. Et bah, du coup, tu as une pression vraiment importante parce que tu te dis, ouais, comment je vais faire, ça va être chaud. Oui. Mais par contre, tu vas apprendre hyper vite. C'est okay. Au lieu de mettre 3 à 6 mois à apprendre un langage, tu vas l'apprendre en un mois. Quoi. Mais c'est un truc qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que. Oui. Parce que ça peut être dangereux en fait. Tu peux soit ne pas réussir à terminer le projet, soit bah, te mettre un petit peu dans la merde, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot. Je comprends. Ouais. Mais wow. c'est un truc où ça t'apprend hyper vite, quoi. Ok, super. Donc, du coup, tu es plus ce genre de personne-là. Maintenant, tu continues à ce niveau. Quand pour trouver une formation, quelqu'un qui est bon, qui va pouvoir expliquer tout et tout ensuite. Continuer. Ouais, du coup, je reviens là-dessus. Donc, une fois que... Moi, je pense qu'il faut quand même se laisser bien 3 semaines à 1 mois minimum de théorie avec un peu des exercices, mais pour vraiment s'imprégner le langage. Parce que j'ai remarqué que moi, j'ai appris Java en 1 mois à peu près. Alors, je parle des bases, hein, bien sûr, parce que Java, ça prend des mois à apprendre. Mais... Et du coup, c'est le temps minimum pour moi. Et une fois que c'est comme ça, eh ben, tu commences à aller chercher du client. D'accord. Et pour commencer à aller chercher du client, faut pas non plus tout faire gratuitement. Hein. On n'est pas là-dedans. Mais au début, en fait, il faut pas être trop gourmand. Il faut partir du principe que tu risques de chiffrer un truc une semaine et que tu vas mettre 1 mois à le faire parce que tu démarres. Faut se laisser le temps d'apprendre pour moi. Ok. Donc, on prend une formation qui est bonne sur le marché. Donc, peu importe qu'on ait fait une école ou pas, faut quand même suivre une formation qui est quand même excellente et pratique. Maintenant, tu dis dans le cas de développement d'applications mobiles, faut combien de temps en fait pour dire que oui, je suis bon, je peux quand même réaliser un projet. Moi je dirais déjà qu'il faut 1 mois de théorie. Après, faut partir du principe que ces premiers projets, au moins les 2-3 premiers projets, il faut les faire, il faut y aller. Mais ils seront pas parfaits, quoi. Il y aura des trucs qui seront pas forcément bien codés. Mais après, du coup, je pense qu'au bout de 6 mois, on commence à bien connaître les concepts de base. Mais je pense que ça prend encore un petit peu plus de temps pour vraiment commencer à être à l'aise à fond, quoi. Okay. Parce qu'en fait, il y a un stade en fait où tu commences enfin en tant que prestataire ou freelance à te dire, j'ai chiffré une semaine, j'ai mis une semaine pour le faire. Parce que souvent, tu chiffres 2-3 semaines et tu mets une semaine, et tu mets 1 mois à le faire, quoi, tu vois, avoir 2. Ok, donc en fait, c'est-à-dire, là déjà, on ne sait pas, il y a un problème, il y a du mal à évaluer, en fait, les délais pour livrer les applications, c'est ça. En fait, ça, au début, tu ne sais pas. Oui, quand on commence, on ne sait pas vraiment si on est capable de faire ça en telle ou telle date. Bah, c'est le premier problème, et le deuxième, c'est que les clients que tu vas avoir au début, c'est des clients qui vont pas avoir trop de budget. C'est normal, ils vont se tourner vers des juniors. Okay. Ils savent qu'ils ont pas trop de budget, et c'est des gens qui vont avoir tendance aussi à vouloir tirer les prix bas. Donc, par exemple, une application, ça peut coûter très cher, on pourra en reparler plus tard, mais ils vont avoir tendance à tirer les prix d'une application complexe à 2 ou 3 000 euros, par exemple. Alors que tu sais que tu en as pour 3 mois de développement, si tu veux couper. Allô, il y a eu un bug. Est-ce que tu m'entends? Ouais, il y a eu une petite coupure. Oui. Et du coup, je dis... Ouais, je t'entends bien. C'est bon. Du coup, je disais qu'en gros, au niveau du développement, comme ça... Attends, du coup, je vais essayer de me rappeler ce que je disais. Ouais, tu parlais des clients qui vont aller un peu voir les développeurs juniors. Ils vont essayer de tirer un peu vers le bas de ces des applis. C'est la difficulté au début, c'est que voilà, tu sais que dans tous les cas... Même si ça prendrait 1 mois, tu pourras pas lui chiffrer, par exemple, 200 euros par jour fois 20, parce qu'en fait, tes premiers clients, ils ont pas le budget. Donc ça, c'est le démarrage. Et c'est après, au bout de plusieurs mois, peut-être au bout de 6 mois, je sais pas, ça dépend de la personne, où enfin, tu as un vrai tarif. Tu sais que tu as 300 euros par jour et tu respectes à peu près ces 300 euros par jour. D'accord. Mais où on peut avoir ces... Ok, il faut quelqu'un qui s'est formé et tout, il dit ok, j'ai quand même un peu de base. Où il peut aller chercher les clients? Alors ça, c'est une partie qui est intéressante aussi parce que
voilà, t'arrives, t'as créé ton statut de micro-entrepreneur, et là, tu dis, ok, bah, je suis chaud, mais je vais où? Et en fait, généralement, quel que soit le métier dans le commerce, quand on se lance, on commence par aller chercher le réseau proche. Donc, le réseau proche, ça va être des amis ou de la famille, mais c'est rarement pour ces gens-là pour qui tu vas bosser. En fait, ça va être tes proches qui vont te ramener du business. Okay. Je prends un exemple. Moi, quand j'ai commencé, ma sœur, bon, elle est graphiste, et ben, elle m'a amené un client pour... c'était un couvreur qui avait besoin d'un site. Où mon père, un jour, il discutait dans un magasin. Et là, il a rencontré une consultante qui avait besoin d'un site. Ok. J'attends que ça revienne. D'accord. Ok, là, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est revenu, hein, du coup. Oui, c'est bon. Je sais pas ce qui fait bugger. Je sais pas si c'est peut-être... Je fais en même temps du broadcasting sur Facebook. Je fais le recording sur Zoom. Donc, c'est peut-être ça. Ouais, c'est le tour, ouais. Ouais. Mais bon, il y a moyen. Ouais, alors, ouais. Alors. Et donc, du coup, ça, c'est la première étape. Et après, une autre étape qui est importante pour moi. Donc, en fait, une fois que tu as eu ces premiers clients, tu vas construire ton réseau. Et pour moi, la plus grosse source de business au démarrage, c'est le bouche à oreille. Alors, ça recoupe à nouveau. Carrément fermé toutes mes applis. Hein. Je pense que c'est un gros problème. C'est bon, tu m'entends? Je t'entends, alors il y a eu des coupures. Ok, donc je pense que là on est peu. Hein. Les applis. Je vais mettre les applis. Laisse-moi vérifier juste au niveau de Chrome. J'ai ouvert tellement d'onglets aussi. C'est ça, je sais pas. Je vais directement vérifier un peu pour mon smartphone qu'on est bien en direct. Voilà, je pars moins tout fermé. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. C'est bon, je me capte bien. Il n'y a pas de. Ça bug pas. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. D'accord, ok. Donc allons-y. Comme je disais, la première étape. On était sur la partie chercher des clients. Donc, on cherche d'abord son réseau proche, la famille, c'est eux qui vont envoyer le business. Tu as pris l'exemple de ta soeur et tout. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et en fait, du coup, après, le réseau commence à faire son travail. Il y a du bouche à oreille. Mmh. Et en fait, tes clients, alors là, il faut quand même être sérieux. Quitte, comme j'ai dit au début, à faire un peu des sacrifices. Histoire de se lancer, donc des petits sacrifices financiers peut-être ou en termes de flexibilité. Ouais. Et en fait, pour que derrière tes clients te recommandent à d'autres clients. Mais ça, c'est des choses qui prennent du temps parce que moi, je sais que j'avais fait un site hôtelier par exemple, 6 mois après avoir fait le site d'un restaurant. Mmh. Parce qu'en fait, le bouche à oreille a mis 6 mois à se faire. Okay. Entre ces deux clients qui se sont parlé, quoi. Oui. Et du coup, l'autre étape, c'est que... alors, il y a cette phase-là où il va falloir, à bout d'un moment, par contre, commencer à bien chiffrer et à arrêter de faire un peu des cadeaux parce qu'on est junior. Donc là, il va falloir prendre confiance. Oui. Par rapport aux clients qu'on a. Mm-hmm. Et là, pour moi, deuxième partie très importante pour trouver du business, c'est les plateformes. Les plateformes, c'est super important. Au début, on a rien sur les plateformes parce qu'on est un peu personne, hein, c'est normal. Mais moi, aujourd'hui, les plateformes, c'est devenu les 3/4 de mon chiffre d'affaires. Et quand je dis plateforme, c'est des sites internet qui regroupent des freelances et des porteurs de projets. Ok. Donc, c'est le parcours de mise en relation, en fait. Voilà. Ok. D'accord. Maintenant, quel est, le conseil que tu donnes pour quelqu'un qui, comme tu as dit, de nouveau, comment il fait pour se démarquer, pour avoir son premier marché?
Il baisse le prix ou qu'est-ce qu'il fait? Il fait des propositions gratuites. Comment il se fait? Bah, dans tous les cas, faut pas être cher et faut surtout se construire un portfolio. Le problème, quand t'as rien à montrer, c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un premier projet perso à montrer, même s'il est pas parfait. Oui. Et après, tu fais un premier projet avec un client où tu casses un peu les prix. Faut pas que ça dure trop longtemps, hein, ce cassage de prix, mais il faut quand même passer un petit peu par là au début. Après, moi, j'ai été vraiment très étonné d'un truc dans le développement en freelance. Alors, j'attends juste que ça revienne. Oui. Ça coupe un peu. Voilà. J'ai été étonné d'un truc, c'est qu'en fait, les gens te font confiance rapidement. C'est un truc de fou. Genre, tu te lances, t'es un peu personne, et ils vont pas du tout... Enfin, moi, ça a été très rare qu'on aille me chercher sur mes connaissances, qu'on aille me chercher sur mes diplômes, ou sur la qualité de mon code, si tu veux. Ok. Les clients, tout de suite, ils font... Enfin, pas tous, hein, mais beaucoup font confiance très vite, parce qu'ils t'estiment comme un professionnel, vu qu'ils y connaissent rien. Ok. Et j'ai été assez étonné de voir... des clients qui t'envoyaient par exemple un virement, je sais pas, de 3000 euros par exemple, ou de 2000 pour un acompte, sans forcément t'avoir eu au téléphone par exemple. Tu vois, il y a eu juste un petit échange sur une plateforme. Mais ça, c'est surtout si tu passes par une plateforme, parce qu'en fait, avec les plateformes, ils ont l'impression que ça les protège. Yeah. Alors que c'est faux, en fait. Les plateformes, dès qu'il y a un problème, que ce soit pour toi ou pour le client, oui, elle se carapate direct. Hein. Wow, ok. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Et du coup, je sais pas, tu as des plateformes préférées déjà en tête qui sont peut-être les meilleures okay. Alors, moi, j'ai déjà fait quand je me suis lancé, j'ai fait un peu une stratégie de masse. C'est-à-dire que je me suis inscrit partout. J'ai créé des profils partout. Okay. Et je voulais un max de visibilité. Mm-hmm. Et en fait, donc, il y a plusieurs sites. Alors, c'est des sites français. Ça dépend où sont situés les gens. Mais moi, j'ai commencé sur codeur.com. Donc, c'est un site qui est plus tourné projet, dans le sens où les gens, ils vont mettre une annonce, un peu comme Le Bon Coin, si tu veux. Mmh. Je recherche un prestataire pour faire ce projet. Okay. Donc, Codeur, c'est un bon truc pour commencer. Le truc, c'est que Codeur, en fait, ça reste un peu comme une place de marché, ce qui fait que c'est assez concurrentiel et les prix sont bas. Et t'es mis en concurrence des fois avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui sont 4 fois moins chers que toi, ou alors des gens qui n'ont pas du tout de compétences. Et donc du coup, Codeur, c'est bien pour commencer, parce que moi, j'ai eu des projets intéressants dessus. Mais vu que je commençais, c'était des projets au ras des pâquerettes. Tu vois. Si tu veux, par exemple, une de mes premières applis, c'était un réseau social. Donc c'était très compliqué pour moi, parce que je commençais. Et c'était une application que j'avais dû chiffrer 3 ou 4 000 euros. Alors que c'est pas le réel prix, en fait. Un réel prix, un réseau social aujourd'hui, alors ça dépend, hein, parce que ça dépend jusqu'où tu vas, mais de base, on va plus être sur au moins 10 000, 15 000, 20 000 euros, quoi. C'est normal, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et donc, du coup, Codeur, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée pour te constituer un portfolio. Mais à long terme, à moins d'avoir une grosse agence avec beaucoup de demandes, faire de la quantité, pour moi, il faut passer à autre chose, si tu peux. Okay. Et du coup, l'autre plateforme sur laquelle je suis passé, donc c'est Malt.fr, qui est pour moi aujourd'hui la meilleure plateforme de freelance toute confondue. En Europe. Hein. Ouais, franchement, Malt, c'est vraiment très très bien. Parce que, alors il y en a d'autres, hein. Mais Malte, en fait, déjà, il y a une très grosse visibilité. C'est une plateforme qui est très bien faite pour les chercheurs de projets. Enfin, les porteurs de projets, pardon. Parce que déjà, en fait, la plateforme, elle est très simple. Quand tu cherches un freelance, tu vas aller sélectionner tes freelances, donc tu vas aller voir leur profil. Et en fait, il y a une sorte de fonctionnalité qui fait que tu les ajoutes comme ajouter un panier, si tu veux. Ah, ok. Ça va t'ajouter les freelances. Et du coup, c'est super simple pour les porteurs de projets parce que derrière, ils envoient le même message. En gros, tu sais, c'est comme dans le développement, tu sais, t'as des variables dans les messages. Oui. Bonjour, prénom. Bonjour, prénom, machin. Et puis ça. Voilà. Ça personnalise en fonction de la personne. Comme il est affiché directement à côté de ta photo, bah, en fait, il n'y a pas cette notion de je discute les prix et je veux. Enfin, on discute les prix toujours, mais je veux
une appli à 2000 euros alors que c'est un réseau social, tu vois. C'est ça qui est intéressant avec Malte. Et puis surtout, en fait, sur Coder, c'est manuel. Enfin, c'est plus toi qui vas répondre au projet en général. Uh-huh. Sur Malte, en fait, les gens te contactent d'eux-mêmes. Mais c'est un peu le piège, c'est qu'au début, t'es invisible. C'est très dur au début d'être contacté, surtout si t'as pas de projet. Il y a un moment donné où t'as un déclic. Alors, faut bien optimiser son profil. Hein. Mais il y a un moment donné où t'as un déclic, et c'est surtout quand t'as la première mission. Et surtout avec Malte, t'as une fonctionnalité qui s'appelle Malte Open, qui te permet du coup de toi, en tant qu'auto-entrepreneur, passer par Malte, alors que le client t'a contacté autrement. Okay. Pour que Malte prenne des points, t'attribue des points, et que derrière, pour les futures missions, tu ressortes plus haut dans l'algorithme de recherche. Ok, je comprends bien. Donc du coup, si quelqu'un, par exemple, t'a appelé au téléphone comme ça, il te dit j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, tu peux lui dire ok, bon, je t'envoie un lien sur Malte, tu fais ceci, cela, et puis c'est ça? Ouais. Okay. Et je crois même que la commission est gratuite, la toute première. Ok, mais c'est super cool là. Super cool alors. En fait, j'ai l'impression que même. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Hein. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Mais et oui. Voilà, ils sont tous sur le côté salarié, on peut tous trouver un job. Alors que je pense qu'un TGM peut-être à 200, 300, 400 euros au jour, voilà, ouais. ça te fait quoi, 8000 euros au mois. Bah, en fait, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Par contre, au début, t'en es loin et au début, t'as des trous. Par contre, tu vois, là, moi, je vais peut-être travailler pour une banque là prochainement. Oui. Pour te dire du coup l'évolution en fait qu'il y a. Et là, après, on est sur des durées de 3 à 6 mois minimum avec un TJM plus élevé, quoi, tu vois. Ouais. Et là, par contre, tu commences à bien toucher, tu commences à être sur des projets intéressants. Mais sur Malte, moi, j'ai été inscrit 6 mois sans avoir aucune demande. Hein. Ouais, ça, il faut bien le savoir. C'est clair. Par contre, il y a un jour où je me suis dit, allez, c'est bon, je retourne sur Malte, j'optimise mon profil pour gagner des points dans l'algorithme. Et j'utilise Malte Open. Et en un mois, j'avais déjà une proposition de mission sur Malte. Ok. Il a fallu l'optimisation. Voilà. Vraiment beaucoup et moi, j'ai fait venir un de mes collègues développeurs, je l'ai fait venir sur Malte. Je l'ai aidé à développer son profil. Et il a chopé un projet à plus de 20 000 euros. Donc une application, une grosse application. Alors que en fait, à la base, il chopait jamais des projets de cette envergure, tu vois. Ouais, et pourtant, le mec est compétent, mais il n'est pas trouvé. Ouais. Et c'est ça la difficulté. C'est clair. Mais bon, je pense que j'ai pu voir ton profil Instagram. Je pense que tu as un lien où tu vas bientôt faire sortir un cours. Et c'est ça. Voilà. Donc, je vais mettre le lien dans la description, les gars. N'oubliez pas. Cliquez sur le lien, allez vous inscrire pour son cours qui va sortir. C'est vraiment intéressant. Je pense que si on veut, c'est-à-dire pour celui qui veut démarrer de zéro à sa première mission, son premier projet. Son premier projet, pardon, il doit aller réserver votre place, quoi. Donc je mettrai ça, n'hésitez pas à cliquer pour jeter un coup d'œil. Donc on a parlé des plateformes, c'est tout niveau plateforme, c'était deux plateformes phares, hein, Coder et Malte. Après, il y en a plein d'autres. Moi, comme j'ai dit, je fais une stratégie de masse. Je me suis mis sur Crème de la Crème, Yoss, puis d'autres, mais ces plateformes là, c'est plus. C'est plus de la recherche d'emploi pour moi et il y a moins de demandes. Okay. C'est un peu à l'ancienne ces plateformes. D'accord. C'est moins du freelancing, je trouve. Après, en autre type de plateforme, il y a Fiverr et 5euros.com. Mais là, on est dans le microservice, donc des tout petits services pas chers. Moi, je conseille pas trop d'aller là-dessus quand on est développeur. Mais on sait jamais. Il suffit que tu proposes, je sais pas, d'installer un plugin ou un truc très simple, pas cher. Mais bon, globalement, je déconseille d'aller là-dessus en tant que développeur pour vendre ses services. Donc pour récapituler, parce que je voulais revenir sur la partie formation. Donc du coup, qu'est-ce que la personne qui veut apprendre en développement d'application doit... Alors qu'est-ce que la personne qui veut devenir développeur mobile doit apprendre comme langage directement. Alors moi, je ferais pas du tout de raccourci. J'irai tout de suite sur Flutter aujourd'hui. Pour la simple. Alors Flutter, ça a que 2 ans, mais pour moi, c'est vraiment prometteur.
Et en fait, je perdrai pas de temps. Tout simplement parce que, vu que la techno, elle vient de sortir, il y a de plus en plus de développeurs qui vont dessus, mais ça reste jeune. Et du coup, il y a une place à se faire, en fait. Et quand toi, tu deviendras senior, les autres commenceront à s'y intéresser. De toute façon, c'est toujours ça. Au début, il y a des choses qui sortent, c'est une mode, et puis les gens n'y croient pas. Un peu comme Angular qui est sorti pour JavaScript. Ouais. Et au bout d'un moment, tout le monde commence à aller dessus et c'est la ruée, quoi. Ouais. Sauf que quand c'est la ruée, la concurrence, elle augmente. Yeah. Voilà. Et il y a moins de place. Alors que quand tu t'es fait ta place, parce qu'en fait, moi, tu vois, sur Flutter, bah, vu que je suis l'un des seuls dans ma région à avoir une expérience de plus d'un an dessus, bah, en fait, les projets, ils tombent comme ça parce que les gens ne trouvent pas, les entreprises ne trouvent pas. Donc directement apprendre Flutter. Je pense que le langage qui est lié à Flutter, c'est Dart, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc, Le truc, c'est que si tu apprends Dart et que tu maîtrises Dart parfaitement, tu pourras apprendre Java, en fait. C'est quasiment pareil. Okay. Enfin, les concepts sont proches. Après, Java va être un petit peu plus typé, un petit peu plus moins souple, mais... C'est le même concept. Ah ouais, c'est clairement les mêmes concepts. Bah, moi, aujourd'hui, à la base, je viens de Java. Quand j'ai appris Flutter, J'ai pas appris Dart. En fait, Dart, j'ai dû réapprendre 2-3 petites syntaxes, etc. Mais c'est pas ça qui... Tu vois, une fois que t'as les concepts de base en programmation orientée objet, tout le reste, ça coule tout seul. Ça coule de source, en fait. Ça coule de source. J'aime bien dire que les langages de programmation, c'est comme les langues vivantes. Hein. C'est comme l'anglais, le français... C'est juste la syntaxe qui change, mais c'est le même sujet, verbe, complément pour construire les phrases. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, maintenant, pour quelqu'un, en fait, je me dis pour par exemple, il y a une partie de mon audience qui vient forcément d'Afrique. Donc, pour quelqu'un qui, par exemple, veut se lancer en tant que freelance, faut dire qu'il n'y a pas de plateforme comme Malt. Je ne sais pas quoi. Ok, il y a des plateformes qui essaient de sortir un peu ici, mais tu vois, il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas vraiment de fonds injectés dans ces plateformes pour vraiment leur donner une certaine visibilité. Donc, la plupart des développeurs, même moi, vont parfois sur des plateformes dont celles que tu as parlé. Le souci, c'est que par exemple, avec Malt, c'est que Malt te donne des missions qu'en fonction de la région où tu es. C'est bien ça? Ouais. Donc voilà, donc pour quelqu'un qui est par exemple à Abidjan ou à Lagos, Malte va lui dire ok, tu auras des missions dans ce domaine. Le problème, c'est que les gens ici, Malte, voilà, les porteurs de projets ici, Malte n'utilisent pas. Donc, alors ça dépend ce que tu mets sur Malte, hein, parce que sur Malte, tu peux dire que tu es ouvert que au télétravail. Okay. Et moi, je sais que j'ai déjà fait une appli pour quelqu'un qui est à Nantes. Alors moi, je suis vers Chambéry. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie française, mais oui. en gros, ça fait un peu de distance, quoi. Ouais. Mais j'ai tout fait en remote, donc de chez moi. Après, peut-être que Malte doit bloquer certains pays. Ça, c'est pas impossible. Okay. Maintenant, parce qu'ils te demandent, un numéro de TVA, tu as un numéro de RCS, des trucs qui, à la française. Je sais pas si ça existe dans les pays africains, donc. Si, ça existe. Moi, par exemple, j'ai une mission sur Malte, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a contacté. Et puis, elle est ivoirienne aussi, mais elle vit en France. Ah, ouais. Donc, forcément, dans la recherche, soit elle m'a vu, elle a vu aussi que j'étais en Côte d'Ivoire et tout. Donc, elle a peut-être senti la connexion et puis elle m'a écrit. Mais à part ça, voilà, je pense que, comme tu as dit, peut-être dans l'algorithme de recherche aussi, ils vont plus proposer d'abord les développeurs qui sont dans la région du porteur de projet. Et puis, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, des plateformes comme Upwork.com et puis Freelancer.com? Bah, Upwork, c'est ça? Oui, Upwork. Bah, c'est quoi ça? C'est pas français, hein? C'est international. Non, c'est pas français, c'est international. Bah, j'ai jamais testé. Je sais pas. Ok. Ça m'intéresse de savoir, mais. C'est plus international. Il y a beaucoup de développeurs qui viennent des pays en voie de développement, comme par exemple l'Inde, l'Afrique, tout ça. Donc, l'Asie et l'Inde, donc, ils sont nombreux là-dessus. Oui, mais c'est une plateforme assez intéressante. Donc,
Donc moi, en France, c'est plus codeup.com que j'utilise, mais comme tu l'as dit, c'est saturé, les prix sont... Voilà, les gens vont faire des sites à... J'ai vu une proposition de quelqu'un qui était d'un pays, je ne sais pas si c'était Bangladesh ou quoi, 150 euros le site, je me suis dit, mais... Mais tu vois ça, j'avais moins de concurrence comme ça sur les applis. Oui, sur les applis. Là, mais il y en a, il y a des gens du Bangladesh justement, il y en a beaucoup du Bangladesh d'ailleurs, qui vont faire des sites voilà, à 200 balles ou des applis à 200 balles. Ouais, c'est clair. Voilà quoi. Ouais. Pas trop de commentaires après. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais voilà. Donc, pour quelqu'un ici qui veut. Donc, tu conseilles que la personne peut-être se crée un statut d'auto-entrepreneur dans des pays comme la France ou des pays de l'Europe, ou la personne peut directement se créer son statut d'auto-entrepreneur ici et essayer de voir dans quelle mesure. En fait, moi, je connais pas bien l'Afrique et c'est dommage parce que je me dis qu'il y a un énorme potentiel. De toute façon, dans beaucoup de secteurs, il y a un énorme potentiel en Afrique. Surtout que c'est francophone, c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, il y a des projets qui pourraient vraiment se sous-traiter en Afrique. Mais malheureusement, moi, je pourrais pas conseiller là-dessus parce que je sais pas, en fait. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je connais un petit peu des développeurs donc tunisiens qui sont francophones. Il n'y a pas trop de décalage horaire, je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Et avec qui, du coup, on a déjà un peu des contacts. Donc, évidemment, hein, quand tu es français, que tu vas chercher en Tunisie, tu vas rechercher du prix aussi. Oui, c'est clair. Donc, un bon développeur africain peut être assez compétitif sur un marché français. Voilà, donc, pour ceux qui sont de l'audience qui, peut-être, ont des questions et tout, ne vous inquiétez pas. Côté freelance, je pense qu'il y a, beaucoup, beaucoup. Et je pense que plus les années avancent et plus, quand même, je pense que la France est un peu plus ouverte à l'international. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais ça commence, tu parlais de sous-traitance, ça commence à beaucoup sous-traiter vers... C'est-à-dire que, par exemple, il y a des agences qui, par exemple, ont beaucoup de projets qui vont sous-traiter ça avec des développeurs, non seulement pour avoir de la main-d'œuvre, mais... Pour... Et c'est ça, mais je pense qu'il faut mieux se tourner, par exemple, d'abord les agences, en fait. Parce que les entreprises directement qui ont des services avec des développeurs, des applications, etc., eux, ils sont pas prêts. Hein. Parce que déjà, nous, en tant que Français, en plus avec le coronavirus, ils sont pas prêts. T'en as certains qui veulent pas du tout de télétravail. Ouais. Alors, autant te dire que la sous-traitance en Afrique, ils sont pas du tout prêts. Ouais. Par contre, il y a des agences qui le font. Mm-hmm. Des agences qui le font et ça, et ils sont plus là-dessus. C'est normal, ils font du volume, en fait, les agences. Ouais, c'est clair. Mm. Donc, voilà, c'était ça. Ça, c'était la parenthèse Afrique. Donc pour quelqu'un qui veut apprendre le développement d'application mobile, il va aller sur, tu vois, conseiller Flutter, qui est cross-platform. Ça fait à la fois iOS et Android. Il faut un bon cours, peut-être un mois de théorie, vraiment corsé. Bâtir son portfolio, ensuite se lancer sur le marché avec son réseau et puis les différentes plateformes dont on a parlé. Voilà, mais tu expliques dans ton cours tout ça, n'est-ce pas, sur comment optimiser son profil et tout. Ben, en fait, dans mon cours, je fais pas que du code. Okay. Et moi, j'ai pas, de toute façon, je me suis jamais limité qu'au code. Par exemple, quand je fais des vidéos, je fais un peu du montage, des choses comme ça. Et en fait, mon but, en fait, c'est de rendre accessible à des gens, voilà, qui démarrent de zéro, le fait de devenir développeur. Alors, indépendant, c'est plus tourné pour les indépendants, mais ça peut être pour les salariés. Mais en fait, pour moi, un développeur qui code mais qui sait pas se vendre, par exemple, il pourra jamais trouver de boulot. Et même un salarié, il faut qu'il sache se vendre dans ses équipes, dans ses services et tout. Et moi, du coup, je vais vraiment... Alors là, je suis encore en train de la construire. C'est pour ça qu'elle est pas terminée. Mm-hmm. Je suis encore sur la partie code. Mais il y aura toute une partie vraiment business où je vais donner des astuces déjà pour trouver des clients, pour négocier avec des clients. Oui. Quelle plateforme utiliser, comment optimiser son profil, etc. Tout ça pour arriver derrière à travailler de chez soi, créer des applications. Et même si les personnes veulent, créer des applications pour elles-mêmes. Ok,
tranquille. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous encourage à, vraiment, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à y aller. Donc voilà, je pense que c'est bon. Il y a eu quelques bugs, ça a ramé. Mais je pense qu'au montage, on va nettoyer tout ça. En tout cas, merci encore ta disponibilité. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que peut-être des plans que tu as dans le futur avec ta chaîne, et, je sais pas, peut-être avec ton business. Alors, je vais juste faire un petit point rapide. Ma formation, ça fait 2 mois que je suis dessus à peu près. Il faut savoir qu'une formation aussi grosse que celle que je fais, ça prend au moins 3 à 6 mois minimum de création. Et à côté, je vais prendre un projet de freelancing. Donc, comme j'ai dit, je vais travailler pour une banque. Donc là, on est dans un level un petit peu plus au-dessus, avec une pression un peu plus forte. Et pendant ce projet-là, en fait, je vais chapeauter un développeur junior. Ok. Donc, c'est ma première expérience. Alors, moi, je suis autodidacte, je suis parti de zéro. Oui. J'aimerais juste le rajouter, mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer un développeur un peu senior. Ok. Et ça m'a fait un petit déclic. Et franchement, c'est pour ça que je dis, en autodidacte, c'est très bien, mais à un moment donné, il faudra aller chercher, alors, soit par le biais d'une formation, comme ce que je vais faire, soit en entreprise, aller chercher un senior. D'accord, et un mentor qui sera là, en fait, pour t'aider. Voilà. Et donc, dans ce projet-là, je serai pour la première fois un mentor, on va dire, pour un autre développeur. Et ça va renforcer, on va dire, mes compétences, là, pour la partie formation. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ok, donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a fait vraiment plaisir, parce que vraiment, c'est ce qui est appris. C'est vrai, ouais, que c'est quelque chose qui moi-même beaucoup me parle beaucoup, mais bon. Sinon, vraiment, au niveau de... C'est spécialisé, c'est des applis. Et puis, généralement, les projets là-bas sont bien payés, je dirais. Pour des applications, en général, les prochaines projets ne font pas des applications genre pour des applications vitrines. Un peu comme il y en a pour le web, vitrine et tout ça. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de ce genre pour des applications. Voilà. Donc, c'est des choses assez complexes. Voilà, donc le prix va avec, hein. Vraiment, c'est assez intéressant. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je te remercie. Ah, c'est cool. Merci, Florent. Et puis, voilà, j'espère que dans l'avenir, on pourra collaborer encore pour nos différentes chaînes. Ah ouais. On pourra discuter encore. Ça me fait plaisir. J'essaie vraiment d'inspirer le maximum de personnes avec tout ce qui est coding, tech. Ouais, c'est cool, ouais. Et puis voilà, donc merci beaucoup les gars. Si vous avez suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est pour vous vraiment que vous faites tout ça. Cliquez sur activer la cloche pour être notifié. Bon, c'est le même blabla. Hein. Voilà, donc vous connaissez, voilà, vous connaissez, donc c'est ça. Donc faites ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Les Développeurs 7 Rouge. Ciao.